Il est 8h presque 16, l'actualité de ce vendredi, ce sont ces tests qui peut-être, tests ADN, qui peut-être vont relancer l'affaire Omar Radad et innocenter définitivement le jardinier marocain. On n'en est pas encore là, mais des traces exploitables ont été retrouvées. Elles seront comparées avec d'autres traces ADN et notamment celles du fichier national. Fnarty, c'est parti. La FNAC et Darty se sont mis d'accord au sujet de leur fusion. La FNAC a fait une meilleure offre qui semble satisfaire Darty et qui doit être validée par les conseils d'administration respectifs. Et si les policiers ne s'occupaient plus de vos excès de vitesse, les gendarmes non plus, l'idée déjà avancée par Nicolas Sarkozy fait son chemin et elle a été évoquée très sérieusement hier par le délégué à la sécurité routière. Un mot de tennis, tiens, les quarts de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy, ce sera sans Federer, sans Tsonga, sans Simon, mais avec Richard Gasquet qui rencontre Andy Murray en début d'après-midi. France Info.